Thank you.
Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous restaure, vous fortifie davantage. J'espère que vous m'entendez très bien, parce que vous me recevez parfaitement 5 sur 5 de là où vous êtes au niveau de vos appareils récepteurs. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre moment, moment d'enseignement, pas prière des héros, mais moment d'enseignement. Où nous allons voir le fondement du discipulat, qui est notre thème de ce dimanche. Qu'est-ce que je raconte là? Qui est notre thème de ce lundi, voilà. Donc, le fondement du discipulat. Désolé, j'ai tellement de choses en tête que par moment, il m'arrive que je dise tellement de choses, voilà. Hier était dimanche, donc on a été bénis, donc ça fait que, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Déjà, commencez à partager massivement, massivement, partager. Si vous êtes là, quel que soit le lieu où vous êtes, déjà, commencez à faire le maximum de partage. Partagez, s'il vous plaît, pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir aussi se connecter. Voilà, c'est très, très, très important. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis en abondance. Allez, je salue déjà tous ceux qui sont là. Nous sommes en train de monter petit à petit. Voilà. Et j'espère que ça ira. Par la grâce de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Notre thème de ce lundi, comme je le dis, c'est le fondement du discipulat. Voilà, le fondement du discipulat et on aura des sous-thèmes tels que qui peut être disciple de Jésus-Christ. Suis-je disciple de Jésus-Christ ou de mon mentor ou de mon père spirituel? Voilà, suis-je disciple de Jésus-Christ ou de mon père spirituel ou de mon mentor? Voilà, ou de mon mentor ou encore voilà. Donc, puis-je être un disciple accompli? Puis-je être un disciple accompli? Voici quelques sous-thèmes qui vont émailler notre moment d'enseignement de ce lundi. J'espère que vous êtes venus avec vos calepins parce que c'est important, je l'ai dit le lundi, venez avec vos calepins pour noter. C'est des enseignements bénis. Même si ça reste, je sais que peut-être que ça va rester. Vous allez réécouter encore, c'est vrai, mais sait-on jamais, il faut avoir un cahier pour pouvoir noter tout cela. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Voilà. Donc, nous allons continuer. Je vous laisse encore, ne serait-ce que 2 minutes, prendre le temps de partager pendant ces 2 minutes. Et après ces 2 minutes, nous allons sans plus tarder maintenant aller dans le vif de notre moment. Que Dieu vous bénisse. Mmh.
Thank you.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant aller. J'espère que ça va et que au niveau des partages, ça va bien. On a assez fait les partages qu'il faut. Donc, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. On y va. On y va. Comme je le disais, les fondements du discipulat, qui est notre thème majeur. Les fondements du discipulat. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes, nous sommes à notre émission enseignement de ce jour. Et c'est un enseignement qui va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses, bien aimé. J'espère que tu es bien installé, voilà, de là où tu es et que tu prends le temps quand même de pouvoir partager massivement. Nous sommes à un moment béni et c'est des instants comme ça que nous devons multiplier car Dieu voudrait voir un peuple bien formé, un peuple qui est vraiment enseigné, voilà. Quand un peuple est bien formé, il n'est pas naïf. Quand une personne est bien formée, elle n'est pas naïve. C'est-à-dire, elle apprend à mieux se comporter dans la société. Voilà. Elle apprend à mieux marcher, elle apprend à mieux faire attention par rapport à beaucoup de choses. Mais quand quelqu'un, malheureusement, n'est pas bien formé, ça l'ouvre la voie à beaucoup de choses. Comme la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance nous donne d'être mieux éclairés sur beaucoup de choses, sur beaucoup de faits de la société et beaucoup de faits bibliques et surtout les choses spirituelles. Il est important que nous ayons la connaissance de ces choses. Si nous n'avons pas la connaissance de ces choses, nous allons tomber dans les pièges du diable. C'est très, très important. Il y a par contre des personnes qui n'aiment pas les enseignements, qui sont toujours là pour dire, il faut qu'on dise un mot sur ma vie, il faut qu'on annonce une prophétie, il faut qu'on annonce des choses. Ces personnes ne sont pas chrétiennes, elles n'ont jamais connu le Seigneur. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus, quelqu'un qui est vraiment dans la présence de Dieu, qui veut réellement que le Seigneur impacte sa vie, va toujours privilégier l'enseignement, cherchera vraiment à être enseigné quelque part, voilà, cherchera à être enseigné, à savoir quelque chose au niveau de l'enseignement. Mais si la plupart des personnes refusent d'être enseignées, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà. Donc, c'est pas le fait de dire, oh Seigneur, fais ceci, l'enseignement même peut te libérer. Quand nous sommes enseignés, on est libéré avant même que le prophète ou le pasteur viennent prier pour nous. Mais quand nous sommes des ouvriers bien aguerris dans une bonne formation, vous allez comprendre que ça va faciliter les choses. Aujourd'hui, nous avons des rassemblements des personnes non converties, des personnes, des assemblées non converties, parce que la plupart des personnes refusent de se faire se faire enseigner ou même refuse de laisser l'enseignement les transformer. Parce que c'est ça. Jésus parlait également des différents cœurs en parlant de la parabole du semeur. Et en parlant de la parabole du semeur, il a parlé d'une semence qui tombe dans des endroits le long du chemin d'abord. Après, il parle de la semence qui tombe dans des endroits pierreux où il y a des pierres. Et après encore, il prend encore une autre image où il parle de la semence qui tombe dans des endroits épineux où il y a des épines, des ronces, et ainsi de suite. Voilà, donc il pense différents sortes. Et puis après, la dernière terre qui est la terre, la bonne terre où la semence tombe. Donc, il y avait quatre images qu'il prend pour définir l'enseignement que nous recevons. Ça veut dire, quand tu reçois l'enseignement, comment est l'état de ton cœur? Dieu ne viendra pas te dire, il faut m'écouter. Il ne viendra pas te dire que il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, non, non. Dieu ne viendra pas te dire cela. Ce que Dieu fera, c'est de permettre que tu puisses avoir la connaissance de sa parole. Que tu puisses avoir la connaissance de sa parole. Quand tu as la connaissance de sa parole, il est clair que il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Il a fait ce qu'il fallait. Et le reste, c'est à toi maintenant de faire. Voilà. Tu veux ton portable? Et le reste, c'est à toi de faire. Voilà. Donc, si c'est ainsi, alors il est important que nous fassions
Nous prenons vraiment les choses au sérieux. C'est très important. Alors, si tu es là pour recevoir un bon enseignement, tu es la bienvenue ou tu es le bienvenu. Voilà, maintenant, si tu es là pour dire, oh, aujourd'hui, le prophète, là, il ne va pas encore prophétiser, il ne va pas donner encore des prophéties, c'est encore nous enseigner. Alors, tu es libre de te désabonner et puis de partir carrément de ce direct. Mais nous, nous sommes là pour recevoir un enseignement béni de la part de Dieu. Et on veut vraiment que Dieu nous parle en ce lundi. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Donc, comme je vous disais, notre thème, c'est le fondement du disciple. Pourquoi je dis le fondement? Parce que je vais vous expliquer pourquoi je dis le fond. Le fondement du discipulat a plusieurs étapes. Voilà, le discipulat, normalement, a un seul fondement. Voilà, un vrai discipulat a un seul fondement. Mais c'est dans l'étude du fondement, de ce fondement-là, que nous traversons des étapes pour mieux comprendre comment peut réagir le fondement d'un bon disciple. C'est très important. Voilà, que tu dises que non, le disciple doit avoir l'amour, le disciple, ça c'est les étapes de la formation du discipulat. Mais le fondement même du discipulat, le discipulat a le bon disciple a un seul fondement. Voilà, il a un seul, la source d'où il tire son discipulat. C'est ce que ça signifie. Voilà. Donc le discipulat a un seul fondement. A un seul fondement. Vous savez, quand on prend la parole de Dieu, ce verset, je ne sais pas si on va chercher. On va chercher, vous allez voir. On va chercher justement. Parce que je peux chercher le verset où on parle des serments. Et puis de. Voilà. Voilà. Où on parle du sceptre. Voilà. Du serment. Il va chercher le verset tout à l'heure. Donc, vous voyez un peu, il est très important. Quand vous prenez, par exemple, le verset où Jésus dit, vous êtes les serments et moi je suis le sceptre. Voilà. Jean combien? Voilà, Jean chapitre 15. Voilà. Donc, on va prendre Jean chapitre 15. Voilà. Voilà, Jean chapitre 15, le verset 1, que nous allons lire ce passage. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. J'espère que vous êtes bien installé parce qu'on va aller en montant et on va vraiment être enseigné. Vous voyez, Jean le chapitre 15, il dit, vous êtes, il dit, je suis le vrai cep. Le Seigneur dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Voilà. Afin qu'il porte quoi? Plus de fruit. Alléluia. J'espère que vous me recevez très bien. Voilà. Afin qu'il porte plus de fruits. Je reprends. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui ne porte pas de fruits, il le monde. Voilà. Il le monde. Non, je réponds, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui ne porte pas de fruits, il le monde. Voilà. Vous voyez ces deux nuances-là. J'espère que vous comprenez ces deux nuances-là. Voilà. Dans ces deux nuances, la Bible dit, un, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce que le Père fait? Qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible dit que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. En réalité, ça veut dire que porter du fruit ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Porter du fruit ne dépend pas de Dieu.
Mais ça dépend de nous. Donc, là où Dieu ne peut rien faire pour nous, il ne peut pas se substituer à notre volonté. Quelqu'un qui reçoit la parole, une personne qui reçoit l'évangile, qui reçoit la parole dans son cœur, et qui refuse de porter du fruit, alors Dieu ne peut rien faire pour lui. Mais néanmoins, s'il porte du fruit, et que le fruit n'est pas un fruit assez bon, la Bible nous dit qu'il est monde. Ça veut dire qu'il met de l'engrais. Il essaie de faire tout ce qu'il faut pour que le fruit soit encore bien. En d'autres termes, celui qui porte des fruits et qu'il a remarqué que le fruit n'est pas un fruit agréable ou bien le fruit manque de saveur normale, Dieu sait que cet homme-là est en train de faire des efforts. Alors, il va l'aider en l'émondant. Ça veut dire quand on émonde une plante, ça veut dire on met de l'engrais. On met tout ce qu'il faut pour que la plante encore puisse avoir de l'énergie pour produire de bons fruits. Amen. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire clairement que si réellement tu ne portes pas de fruits, ce n'est pas la faute du Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu ne fait rien pour toi. Mais c'est parce que toi-même, tu ne mets pas tout ce qu'il faut autour de toi pour pouvoir porter ces fruits. Bien-aimé, porter des fruits est de ta responsabilité et non de la responsabilité du pasteur et non de la responsabilité du prophète. Aujourd'hui, les gens quantifient dans les églises. Hein? Depuis les dans l'église, rien n'a changé dans sa vie. Depuis les là, rien n'a bougé. Depuis là, regardez sa vie là, rien n'a changé. Bien aimé, laisse-moi vous dire une seule chose. S'il a démontré que l'église dans laquelle tu es, l'assemblée dans laquelle tu es, est une assemblée véritable, l'homme de Dieu est un véritable serviteur de Dieu, et que toi tu ne portes pas du fruit, ça n'a rien à voir avec l'assemblée dans laquelle tu es. Parce que porter des fruits dépend de ta connexion avec Dieu, de ce que tu veux que le Seigneur travaille dans ton cœur. Est-ce que tu veux que Dieu travaille dans ton cœur? Est-ce que tu veux que le Seigneur travaille dans ta vie? Est-ce que tu veux que le Seigneur vienne te donner une véritable formation sur le discipolat? Parce que le discipolat, c'est la plus grande formation que nous puissions recevoir dans notre attachement vis-à-vis du Seigneur. C'est très important. La plupart des personnes que nous rencontrons, bien-aimés, malheureusement, ne connaissent pas ça. Et ne rentrent pas dans ce schéma-là. Non, moi, je ne veux pas ça. Non, moi. Finalement, ils sont restés rabougris spirituellement. Ils sont restés des non-spirituels, des personnes qui sont des asthmatiques spirituels, qui chiffonnent spirituellement et dont la vie même ne manifeste pas la nature de leur Dieu, la nature du Créateur, la nature de Jésus en eux. C'est très important. Voyez, ces hommes-là font, c'est des personnes qui vont sauter ici, qui sautent là-bas, à gauche, à droite. Non, c'est une assemblée dans laquelle tu es. Est une assemblée qui ne donne pas la bonne nourriture qu'il faut. C'est une assemblée qui ne donne pas ce qu'il faut. Là, ça se comprend. Mais si, bien-aimé, c'est une assemblée où les gens prêchent Jésus ressuscité, les formations sont faites et on vous donne ce qu'il faut, alors tu es dans l'obligation de porter des fruits. C'est très important. Tu es dans cette obligation de porter des fruits. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Est-ce que tu portes des fruits dignes? Voilà. Parce que la Bible nous dit que celui qui ne porte pas des fruits, il n'y a pas d'alternative pour lui. La Bible nous dit qu'il sera déconnecté
il sera déconnecté et jeté. Il sera déconnecté et jeté. Je dois porter des fruits au risque de perdre ma place devant le Seigneur. Au risque de perdre ma place devant le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez richement bénis. Le fondement du disciple. Amen. Le fondement du disciple se repose sur le mystère du cep. Le fondement du disciple d'abord se repose en premier lieu sur le mystère du cep. Ça veut dire le cep qui est le tronc principal et nous sommes les sarments. Ça veut dire nous sommes greffés sur le cep. Mais celui qui ne connaît pas le fondement de son disciple sera un homme aigri, sera un homme qui murmure, sera un homme qui va voir son échec, qui va imputer son échec aux hommes. C'est un homme qui va, ou bien une femme qui va voir dans les hommes les responsables de son échec quelque part. C'est très important. Quand tu sens que, tu sais que, oh my God, quand tu sais que la source de ton disciple-là est posée sur le cep et qu'il y a une situation qui arrive, tu ne regardes plus aux hommes, mais tu regardes au vrai cep dans le but de tirer le liquide qui va venir de ce cep, l'énergie vitale qui vient de ce cep et qui va abreuver, qui va inonder ton être entier et qui va te fortifier véritablement. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Ainsi, vous devez comprendre ceci que si aujourd'hui quelqu'un vous fait du mal ou quelqu'un essaie de combattre, de vous faire du tort, vous savez très bien que vous n'êtes pas disciple d'un homme pour que votre cœur saigne, mais vous êtes disciple de Jésus. Le vrai cep, c'est le Seigneur. Le vrai cep, c'est Christ. Nous sommes greffés à Christ. Nous sommes greffés à Christ qui est le cep. Et nous savons que nous tirons notre énergie de lui. Nous tirons notre vie de lui. Nous tirons, bien-aimé, notre force de lui. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu tires ta force du Seigneur. Tu as trop tiré ta force de ton prophète. Tu as trop tiré ta force de ton pasteur. Tu as trop tiré ta force de ton mari. Tu as trop tiré ta force de ta femme. Tu as trop tiré ta force, bien-aimé, de tes amis. Il faut que tu tires maintenant ton énergie du Seigneur. Même quand bien même que la douleur se fasse ressentir. Quand bien même que les problèmes, bien-aimé, ne font qu'augmenter. Et tu dois savoir que tu n'es que le serment. Et si tu considères que tu es le serment, alors sache que le vrai cep ne te laissera pas tomber. Mais vous voyez, quand le serment est éloigné du cep, il sèche. La Bible dit qu'il va sécher. Prenez un peu une branche. Prenez même une branche. Quand vous taillez de l'arbre, vous déposez, ça va sécher. Ça va sécher, c'est clair. Ça va sécher, bien-aimé. Ça va sécher. Ça va disparaître. Alléluia. Ça va disparaître. Ça va disparaître carrément. Alors, il est important, bien-aimé, que par la grâce de Dieu, alléluia, par la grâce de Dieu, nous soyons considérés comme le véritable serment et Christ est notre cep. Alléluia. Ça, d'abord, comprenez cela. Maintenant, nous allons entrer dans les détails du fondement du discipula afin que vous puissiez comprendre. Alléluia. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La première étape du fondement du discipula, bien-aimés, la première étape du fondement du discipula que vous devez comprendre,
C'est d'abord la renonciation de soi-même, de ses valeurs, de ses projets, de tout ce que nous avons en tant qu'hommes, au profit des projets du Seigneur, au profit des valeurs du Christ, au profit de ce que Dieu nous a dit de faire. Primo, d'abord, la première valeur qui doit heurter notre formation sur le discipulat, c'est que nous devons renoncer à nous-mêmes. La première chose, c'est la renonciation à nous-mêmes. Amen. Voilà, nous allons parler de cela en profondeur. La renonciation. Oh, la renonciation de tout. Regardez un peu. On va prendre Luc, le chapitre 14, le verset 26. La Bible nous dit ceci que « Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ah, ça c'est une parole forte. Il fut un temps où je ne comprenais pas cette parole-là. Il fut un temps où je ne comprenais pas. Parce que le français est tellement élastique. Je dis, mais comment le Seigneur peut dire ça? Comment le Seigneur peut dire que si je veux le suivre, je dois haïr ma femme. Je dois haïr mon père. Je dois haïr mes enfants. Ma propre... Ah! Ma propre vie, là, il faut que je dois haïr ça. Le verset continue pour dire, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. » Oh, 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 my God. « Ne peut être mon disciple. » Amen. Voilà. Bien aimé, je vous explique ce verset. Voilà, j'espère que ça va bien. Voilà, j'ai un problème au niveau de commentaires ici, ah, ça passe pas bien. Je crois que ici au moins c'est bon. Voilà, ici les commentaires passent bien. Voilà. Donc, on y va. On y va. Voilà. Donc, la parole nous dit, première étape du fondement, vous devez apprendre à renoncer à vous-même. Voilà. Et pour cela, nous allons lire quelques versets qui parlent de la renonciation. Voilà. Qui parlent de la renonciation. Voilà. Ces versets qui parlent de la renonciation. Voilà. 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 Qui parlent de la renonciation. Voilà. Qui parle de la renonciation. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. 1. Comprenez une seule chose. Ce même verset, quand on le prend dans le livre de Matthieu ou dans les autres cas d'évangile, la parole dit si quelqu'un vient à moi et qu'il aime son père plus que moi, qu'il aime sa mère plus que moi. Amen. Voilà, qu'il aime sa femme plus que moi. Mais Luc est beaucoup plus dur quand il dit que si quelqu'un ne hait son père. En fait, vous savez pourquoi Luc emploie le mot haïr? Je vous explique. La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut aimer deux maîtres à la fois. C'est ce que la Bible nous dit. On ne peut aimer deux maîtres à la fois. Autrement dit, tu vas aimer l'autre et tu vas haïr l'autre. Amen. Tu vas aimer l'autre et tu vas haïr l'autre. Ça veut dire que cet amour, ce genre d'amour, c'est un amour inconditionné. C'est un amour agapéo. Parce que l'amour agapéo est unique. L'amour, c'est-à-dire l'amour
au point où toi-même, ta vie, tu es prêt à mettre tout ce que tu as en sacrifice pour que la personne vraiment soit vue. Ce qu'on appelle l'amour agapéo. Or, l'amour, ce genre d'amour où tu es prêt même à livrer ton corps au feu, Dieu exige que cet amour lui soit donné. Voilà, lui soit donné. Donc, l'amour que tu as pour le Seigneur, tu ne peux pas le remplacer à l'amour que tu peux donner à ta femme, ni à tes enfants, ni à ta maison, ni même à ta propre vie. Ça veut dire clairement que je peux aimer ma femme, je peux aimer mes enfants, mais l'amour que j'ai pour ma femme et mes enfants n'entre pas dans le canevas de l'amour que j'ai pour le Seigneur. Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a Eros, Agapeo, Philéo ou Filial. Mais l'amour que j'ai pour le Seigneur ne doit pas être disputé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. C'est ce que ça signifie. Donc, ça veut dire clairement que si j'aime Dieu et que l'amour que j'ai pour le Seigneur, je l'émiette pour le donner à quelqu'un, ça veut dire clairement que je n'aime pas Dieu plus que la personne. Donc, en d'autres termes, si deux personnes doivent lutter une maison, c'est clair qu'il y a un, il y a une personne qui sera maître et l'autre sera subalterne. Vrai ou faux? C'est ce que ça signifie? Si il y a deux familles dans une maison, c'est clair qu'il y aura clash. Voilà. Et parmi les clashs, ceux que la famille qui a gagné, bien, c'est cette famille-là qui va prendre les devants, qui va faire tout. C'est clair. Vous comprenez? Donc, c'est ce que ça signifie en fait. Ça veut dire clairement que si, en tant que disciple, dans ma formation du discipulat, je suis amené, bien-aimé, à aimer le Seigneur de sorte que ma propre vie ne doit plus m'intéresser. Quand je dis que ma propre vie ne doit plus m'intéresser, ce n'est pas que je dois porter des habits déchirés. Attention, hein, parce que les gens trafiquent les choses. Ce n'est pas que je vais porter les habits déchirés, je vais me mettre en bizarre, ou bien que non, il a même vraiment, en tout cas, il ne fait pas grand chose avec les choses du monde, son esprit au ciel, son esprit est au ciel, son dénommé. Toi, ton esprit est au ciel, c'est vrai. Mais pour que quelqu'un reconnaisse que ton esprit est au ciel, là, il faut démontrer que tu es à l'image du ciel aussi, c'est important. Amen. C'est important. Il faut démontrer que tu as l'image du ciel. C'est important. En fait, ça veut dire clairement que quand j'ai mes projets, quand j'ai mes, il y a des choses que je dois faire, je fais passer les intérêts de Dieu devant d'abord. C'est ce que ça signifie. Les intérêts de Dieu devant d'abord. Alors, si j'aime quelqu'un plus que Dieu, ça veut dire que je hais le Seigneur. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Amen. C'est ce que ça signifie, bien-aimé. Et alors, je vous exhorte réellement à comprendre cela. Et il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il porte sa propre croix. Porter sa propre croix. Bien-aimé, porter sa propre croix, ça veut dire clairement que j'accepte les persécutions, j'accepte les tribulations qui sont rattachées au nom de Jésus que je porte sur ma vie. Je suis prêt à accepter d'être persécuté pour le nom de Jésus. Je suis prêt à accepter les tribulations pour le nom de Jésus. Je suis prêt à accepter des situations qui vont advenir dans ma vie pour le nom de Jésus. Je suis prêt. C'est ce que ça signifie, c'est tout. Amen. C'est ce que ça signifie. Porter sa propre croix. Porter sa propre croix.
Alléluia. Alors, un, vous devez avoir d'abord, comme premier fondement, la renonciation de soi-même. Se renoncer à soi-même. Voilà. Luc 14, 33 dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Renoncer à ce que tu as, ce n'est pas de dire qu'il faut faire don de tout ce que tu as. Non. Renoncer à tout ce que tu as, ça veut dire que quand Dieu te demandera d'utiliser ce que tu as, tu le feras sans aucun remords. C'est ce que ça signifie. J'ai des richesses. J'ai par exemple 12 millions, 1 million ou combien de comptes. J'ai de l'argent en banque. Mais si je viens au Seigneur, quand je renonce, ce n'est pas pour prendre cet argent et puis donner à qui je veux, non. Mais ça veut dire que je renonce à l'influence que la richesse a sur ma vie. De sorte que quand le Seigneur a besoin de cette richesse, je la mets à la disposition du Seigneur. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi prendre, pour étayer encore cela, vous pouvez prendre Marc, le chapitre 8, le verset 34. Vous pouvez aussi prendre Marc, le chapitre 8, le verset 34, ou bien Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. Voilà. Ou Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. Voilà. C'est très important. Deuxième étape qui doit nous amener à être un bon disciple, c'est véhiculer. Nous devons véhiculer, bien-aimé, la vérité du maître, telle que nous avons reçue. Deuxième étape, véhiculer la vérité du maître, telle que nous avons reçue. Et nous ne devons rien ajouter. Nous ne devons rien ajouter à ce que nous avons reçu du maître. Vous savez, les disciples n'ont pratiquement rien ajouté. Ils n'ont fait que transcrire tout ce que le Seigneur les a dit de faire. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a transcrit fidèlement tout ce que le Seigneur lui a dit de faire. Fidèlement. Fidèlement. Amen. Alléluia. Et lui-même l'a dit, si quelqu'un ajoute à cette révélation, il y a des malédictions qui sont rattachées à ça. Voilà. Lui-même l'a dit, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Ça veut dire clairement que ils ont retranscrit fidèlement. Amen. Aujourd'hui, nous avons des mauvais disciples parce qu'au lieu de transcrire fidèlement ce que le Seigneur nous dit, on ne fait que transcrire fidèlement ce que les hommes nous disent de faire. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire, mon frère? Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? As-tu transcrit fidèlement la mission qui t'est donnée? As-tu transcrit fidèlement la parole que Dieu a mise au bout de ta bouche? Tu as été envoyé vers quelqu'un, vers un homme de Dieu. Est-ce que tu as transcrit fidèlement cette parole? Tu as été formé, tu as eu des rudiments, des enseignements. Est-ce que c'est ce que tu donnes actuellement? Aujourd'hui, on refuse de donner la parole véritable tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle des gains. Quel est le gain que je dois avoir? Qu'est-ce que je dois avoir en retour? Et on fabrique beaucoup de choses.
On fabrique la parole. On fabrique tellement de choses, bien aimé. Aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que nous sommes des véritables disciples de Christ? Amen. Non. Est-ce que je suis disciple de Christ? Si je me lève et que je suis disciple d'un homme, alors c'est clair que je vais manifester ce que l'homme fait. Amen. Non, tu ne suis pas disciple d'un homme de Dieu. Je ne suis pas disciple d'un apôtre. Je ne suis pas disciple d'un prophète, mais je suis disciple de Christ. Es-tu disciple de Christ? Es-tu disciple de Christ? Bien-aimé, ton père spirituel, ton mentor peut t'enseigner la parole. Il peut te dire, il peut te former. Mais lui te forme pour que toi tu sois disciple de Christ. Non. Pas que toi tu sois son disciple. Pas que tu sois son disciple, mais tu sois disciple de Christ. Amen. Voilà pourquoi plusieurs personnes se perdent. Plusieurs personnes se perdent. Et l'homme de Dieu nous a dit, n'a qu'à faire ceci, cela. Le prophète là, nous a dit de faire ceci, cela. Il nous a dit qu'on n'a qu'à faire ceci, cela. Mais toi-même, est-ce que tu t'assois pour comprendre? Au lieu de suivre aveuglement les choses. Jésus a pris le temps de former ses disciples. Et il a laissé la formation qu'il a donnée à ses disciples. Il nous a donné la même formation. C'est-à-dire qu'il a laissé la formation depuis plus de 2000 ans. La même formation est écrite noir sur blanc. Qu'est-ce que tu en fais de ça? Qu'est-ce que tu en fais de ça? Non, je ne dis pas de ne pas vous faire former au pied des hommes de Dieu. C'est bon de se faire former. C'est bon. Mais je veux dire par là que quand tu reçois une formation venant d'un homme de Dieu, la meilleure formation que tu sais là, c'est la lecture biblique. Quand tu lis la Bible, tu comprends certaines choses. Le Saint-Esprit lui-même t'ouvre les yeux et les oreilles que tu puisses comprendre pour ne pas tomber dans les pièges. C'est important. Pour ne pas tomber dans les pièges. Regardez les Béréens là. Bérée, les Béréens. Voici une ville, une contrée qu'on appelle Bérée. Et que lorsque les gens viennent prêcher dans cette église, les gens ouvraient toujours la Bible pour regarder. Ils ouvraient toujours la Bible pour regarder. À savoir si vraiment ce que le monsieur dit là, si ce que cet homme est en train de dire là, si c'est conforme aux saintes écritures, si c'est conforme aux saintes écritures. Aujourd'hui, on n'a plus ça dans nos églises. On n'a plus ça dans nos églises. Quand les gens viennent, on les écoute comme ça. On dirait des autoroutes simples, des autoroutes larges, des boulevards où toutes sortes de gros porteurs, toutes sortes de véhicules passent. Il n'y a même pas de radar, il n'y a même pas de policiers pour stopper les voitures qui ne doivent pas passer. Tout passe. On est devenu des boulevards maintenant de toutes sortes d'enseignements possibles. Bien-aimé, ne sois pas un boulevard. Il faut mettre de la restriction dans ce que tu entends. Dans ce que tu entends, c'est important. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a point un grand nombre de personnes qui enseignent. Des gens, tout le monde enseigne sur Facebook. Tout le monde parle. Les gens enseignent à gauche, à droite. Tout le monde enseigne. Tout le monde enseigne. Tout le monde enseigne. Voyez, il y a... j'ai écouté un enseignement de la part d'une jeune fille qui prêchait. Bon, je lui dis jeune fille parce que je ne sais pas encore son état, si elle est servante de Dieu ou pas. Mais une jeune fille qui était en train de, une jeune sœur qui était en train de prêcher. Voilà. Loin de là de parler d'un enseignement de quelqu'un, loin de là. Mais ça nous donne au moins le droit quand même d'apporter quand même quelques critiques. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, c'est pour ça également d'apporter quelques petites critiques. Voilà. Et voir un peu réellement
Voilà ce qu'il en est. Voilà. Donc, je ne sais pas si réellement, je vais peut-être essayer de faire passer l'enseignement. Je verrai si c'est vraiment si ça est là, si au niveau du portable, si j'ai ça sur. Voilà. Je vais vous faire écouter. L'enseignement, c'est un bon enseignement, hein. Mais il y a certaines choses, pour ma part, qui m'ont semblé un peu bizarres. Voilà. Et je ne sais pas si je peux trouver cet enseignement-là. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter ça. Voilà. Quand je vais enlever le micro pour planter là juste pour que je puisse mieux entendre. Des mauvaises évangélisations, on n'a pas besoin de ça. Les gens ont besoin d'écouter la vérité. Le chemin est étroit. Pas tout le monde peut passer par là. C'est un chemin de souffrance. La Bible dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Donc quand tu acceptes Jésus, tu dois présenter aux gens la croix. Présente aux gens le feu. Présente aux gens la forme qu'ils auront après le feu. Ne dis pas aux gens, tu acceptes Jésus et tout est fini. Non, lorsque tu acceptes Jésus, c'est là où tout commence. C'est là où les épreuves commencent. Et tu sais pourquoi? Parce que avant, tu n'avais pas la marque du Saint-Esprit sur toi. Tu étais dans le camp du diable. Il pouvait jouer avec toi, faire tout ce qu'il voulait. Mais une fois que tu acceptes Jésus, tu dois passer par le feu. Moi, je n'aime pas ce type d'évangélisation où on dit, viens à Jésus et ta vie va changer. Non. Viens à Jésus, tu vas passer par le feu. Viens à Jésus et tu vas pleurer. Viens à Jésus et tu vas vivre la solitude. Viens à Jésus et tout le monde va t'abandonner. Viens à Jésus et tu vas vivre les épreuves. Soyez vrai avec les gens. Arrêtez de leur vendre du rêve qui n'est pas réel. Depuis que tu as accepté Jésus, combien de fois n'as-tu pas pleuré? Et pourtant, quand tu es évangélisé, on te disait quoi? On va te donner ceci. Même les gens qui évangélisent, oh, accepte Jésus et tu vas te marier. Les païens se marient. Viens, Jésus va te donner de l'argent. Les païens ont l'argent. Ils travaillent dur. Des mauvaises évangélisations, on n'a pas besoin de ça. Les gens ont besoin d'écouter la vérité. Le chemin est étroit. Pas tout le monde peut passer par là. C'est un chemin de souffrance. La Bible dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Donc quand tu acceptes Jésus, tu dois présenter aux gens la croix. Présente aux gens le feu. Présente aux gens la forme qu'ils auront après le feu. Ne dis pas aux gens, tu acceptes Jésus et tout est fini. Non, lorsque tu acceptes Jésus, c'est là où tout commence. C'est là où les épreuves commencent. Et tu sais pourquoi? Parce que avant, tu n'avais pas la marque du Saint-Esprit sur toi. Tu étais dans le camp du diable. Il pouvait jouer avec toi, faire tout ce qu'il voulait. Mais une fois que tu acceptes Jésus... Ok. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour que vous puissiez écouter. Voilà. C'est un enseignement de la part de Denis. Voilà. C'est ce que je fais là. Voilà. Donc... C'est un enseignement, ma foi c'est bon, hein, c'est bien, voilà, l'enseignement en tout cas, y a rien à dire, voilà, y a rien à dire, voilà, voilà, y a rien à dire, c'est un enseignement vraiment qui présente l'évangile, voilà, qui présente l'évangile en tout cas sur un autre visage en fait, voilà. Donc, quand j'ai écouté cela, ça m'a fait tic un peu. Voilà, ça m'a fait tic. Mais j'ai écouté avec beaucoup plus de critiques. C'est important. Voilà, beaucoup plus de critiques. Dans cette prédication, elle disait ceci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Si vous m'entendez, faites-moi signe dans les commentaires que vous m'entendez bien. Voilà. Donc, dans cette prédication, elle disait clairement que quand on présente l'évangile, il faut présenter l'évangile en disant aux gens que l'évangile, ils vont passer par le feu. Voilà, il ne faudrait pas dire des choses qui n'existent pas.
Il faut dire aux gens que les gens passeront par le feu. Voilà, les gens passeront par le feu. Il faut annoncer, dire aux gens que, est-ce que depuis que tu acceptes Jésus, est-ce que tu ne pleures pas? Est-ce que ta situation ne s'est pas empirée, la limite? Voilà, est-ce que, depuis, regarde toi-même, depuis que tu acceptes Jésus, ta situation, regarde un peu, présenter que l'évangile, les gens, c'est comme si l'évangile amène les gens dans les épreuves. Porter sa croix d'abord, c'est ce qui est important. Il faut présenter aux gens porter sa croix. Mais en fait, la question que je vais poser, moi, en tout cas, moi, néanmoins, si je vais venir au Seigneur, qu'on me dit que je dois porter ma croix, je ne vais pas accepter Jésus. C'est clair. Si on vient de toi à moi, si on te dit que viens en Jésus, faut venir dans le Seigneur. Alors qu'on te dit que si tu viens dans le Seigneur, tu vas porter ta croix. Tu vas passer par le feu. Soyons réalistes. Je te... Oh, merde. Voilà. Excusez-nous, nous avons des perturbations de réseau là. Donc, je disais ceci que. Voilà. Donc, je disais ceci que. Si. Je viens vers toi. Bon, je viens vers. Un exemple. Je viens vers Jacqueline. Et puis je dis à Jacqueline, je viens vers Abby, je lui dis, oh, viens à Jésus. Si tu viens à Jésus, tu porteras ta croix. Si tu viens à Jésus, tu porteras... Oh, tu... Mais de toi, je vous pose la question. Est-ce que tu es sûr que tu vas venir au Seigneur? Tu ne vas pas venir au Seigneur. Tu ne viendras pas au Seigneur. C'est clair que tu ne viendras pas au Seigneur. Tu ne vas pas venir au Seigneur. Voilà. Donc, le bon évangile, ce n'est pas présenté aux gens qui vont porter leur croix. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Voilà. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Le bon évangile, ce n'est pas présenté aux gens qui vont porter leur croix. Le mot évangile signifie quoi? Bonne nouvelle. L'évangile. Le mot évangile, dans son sens étymologique, signifie bonne nouvelle. Moi, je ne veux pas avoir une bonne nouvelle, te d'annoncer une bonne nouvelle et puis te dire que dans la bonne nouvelle, là, tu as porté ta croix. C'est incongru, c'est... Voilà. C'est incongru. Si vous comprenez. Voilà. Regardez ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 11, 28? Matthieu chapitre 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Fatigués et chargés. Venez à moi. C'est que si tu es, moi je suis fatigué et chargé, et puis tu me dis que je prétends que ma propre croix, c'est que ce n'est pas la peine, je ne viens pas au Seigneur. Je ne viens pas au Seigneur. Que dit le livre de Luc, le chapitre 4, verset 18? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle. C'est-à-dire, la bonne nouvelle que le pauvre doit entendre. Ah! Parce que quand j'entends des gens applaudir cette... C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait point un grand nombre de personnes qui enseignent.
Il dit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il faut essayer de relativiser les choses. Quand quelqu'un... L'évangile d'abord est une bonne nouvelle. Quand il y a de... Est-ce que la plupart des personnes qui viennent au Seigneur, là, la première chose que tu connais, ce n'est pas le feu. Il y a une libération interne. Il y a une délivrance du péché. Une délivrance des esprits de ta famille. Le Seigneur te libère des chaînes du péché. Il y a une libération. Il y a la joie interne. Il y a la vie. Et encore, tu as le salut. C'est ça la bonne nouvelle, la délivrance. Si quelqu'un, voyez, quelqu'un qui a connu tout cela, qui a connu, qui connaît la valeur du salut, qui a été libéré des chaînes du péché, qui n'est plus l'esclave des démons, mais ce n'est pas sa croix, il ne faut pas prendre. Parce que quand on met dans la balance, en fait, porter sa croix, c'est ce que j'ai dit, c'est subir des tribulations pour l'amour de Jésus. Moi aussi, Jésus m'a libéré du péché. Il m'a libéré de la mort éternelle. Le salut même n'a pas de prix. Il m'a libéré de tout. Alors mon amour que j'ai pour le Seigneur me fera prendre la croix sans problème. C'est tout. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Donc il est important que les gens comprennent. Je vois des gens dire, oh, c'est l'évangile qu'il faut. C'est la plupart, c'est des gens qui sont complexés là. Tu es complexé. Quand tu vois qu'ils n'arrivent pas, ils ont une vie chrétienne moribonde, une vie chrétienne qui n'évolue pas, on se justifie par ce genre de trucs là. Non, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé, bien-aimé. Je suis désolé. Le monde même, regardez un peu le monde. Quand les gens viennent vendre leurs produits, les téléphonies, il y a plusieurs opérateurs de téléphonie mobile. Telle personne dit, genre, je fais l'internet, la 5G à tel prix. Je fais tel. La communication coûte. On a tel forfait de communication. Chacun vend son produit. Mais tu vas pas venir devant quelqu'un, tu vas lui dire, c'est clair que chaque opérateur mobile a ses lacunes. Mais c'est les bonnes choses qu'ils vont te montrer d'abord. Maintenant, quand tu es dedans et que tu es satisfait du produit, le jour où l'opérateur déconne, tu acceptes d'être là parce que l'opérateur t'a fait du bien depuis le début. C'est comme ça l'évangile. Tu as été bien. Le jour où l'ennemi se lève, tu sais ce qui comptait. Tu sais que le Seigneur est ta force et ta bannière. Donc, ne disons pas que, non, il faut présenter ça, ceci, cela. Attention à tout ce que vous écoutez. Faites beaucoup attention. Voilà, faites beaucoup attention. Moi, je décrypte. Quand j'écoute un enseignement, je prends le temps de tamiser ça, passer la limite de la parole de Dieu. Pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit, qu'est-ce que Dieu nous dit dans ça. C'est important, on ne se lève pas comme ça, puis on avale tout. Avaler les choses comme ça, il faut faire beaucoup attention. Voilà. Donc, il faut rendre, comme je le dis, il faut rendre un enseignement potable. La formation que j'ai reçue, je dois rendre ça complètement, de façon potable. C'est très important. Voilà. Je dois rendre cet enseignement-là de façon potable. Rendre cet enseignement de façon potable. De façon potable. Afin d'être béni. Afin d'être béni. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On continue. On n'a pas encore fini. Hein? On continue. Si tu es béni, alors partage le direct. Si tu es béni, continue toujours de partager. Alléluia. Voilà. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes béni? Si vous avez des questions,
N'hésitez pas dans les commentaires, mettez vos questions. Au moment où je parle, je peux répondre à vos questions. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions. Voilà. Je vais... Alléluia. Ah, Jésus. Merci, Jésus. Troisième étape pour être un bon disciple. Troisième étape pour être un bon disciple. Voilà. Troisième étape, vous devez mourir sur... Vous devez mourir sur le bûcher de la croix. Le bûcher de la croix. Mourir sur le bûcher de la croix. J'explique ça. Troisième étape pour être un bon disciple. Vous devez mourir sur le bûcher de la croix. Alléluia. Troisième étape. Vous devez mourir sur le bûcher de la croix. Alléluia. Bien-aimé, mourir sur le bûcher de la croix, c'est faire mourir les œufs de la chair en nous. Je reprends. Mourir sur le bûcher de la croix, c'est faire mourir les œufs de la chair en nous. Troisième chose, faire mourir les œufs de la chair en nous. Troisième chose. Voilà. Je reprends. Troisième chose, faire mourir les œufs de la chair en nous. Amen. Romains chapitre 8, le verset 13 dit ceci. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Aujourd'hui, c'est quel genre de disciple que nous sommes? Ou bien quel genre de disciples nous avons reçus? Nous sommes des disciples qui montrons en nous les œuvres de la chair. Et un disciple qui montre ouvertement les œuvres de la chair fait honte au maître, fait honte à son formateur, fait honte à celui qui l'a appelé, fait honte au Seigneur. On va voir un disciple, un chrétien, si vous voulez, dans un nightclub en train de boire. C'est les œuvres de la chair. On va voir un disciple en train, par exemple, de faire certaines choses qui sont, par exemple, la dissolution, qui sont, par exemple, l'ivrognerie, qui sont les œuvres de la chair. Bien-aimé, quand ces choses prennent le contrôle, c'est clair que nous sommes des disciples, bien-aimés, qui faisons honte. Qui faisons honte. C'est très important. Des disciples qui diront, mais Jésus était conscient lorsqu'il a transformé l'eau en vin pendant les noces de Cana. Pendant les noces de Cana. Bien-aimé, est-ce que quand la personne dit ça, est-ce qu'elle réfléchit? Le vin, en fait, étymologiquement, de façon étymologique, le vin, c'est quoi? Le vin, c'est quoi? Parce que si tu donnes la définition du vin, tu sauras que Jésus qui transforme l'eau en vin, il a bien fait de transformer l'eau en vin. C'est important. Le vin, c'est l'eau
qui sort du raisin, c'est tout. C'est le produit du raisin, c'est tout. C'est tout. Le vin, c'est le produit du raisin. Il n'y a rien, c'est tout. Maintenant, c'est le vin fermenté qui contient de l'alcool et qui saoule. C'est tout. Il y a deux sortes de vin. La Bible parle même de deux sortes de vin. Le mauvais vin et le bon vin. Le bon vin, c'est un vin sans alcool. Le mauvais vin, c'est ce qui est alcoolisé. Donc, au noce de Cana, Jésus va transformer l'eau en bon vin. C'est-à-dire, un vin, le vin sans alcool. Parlez un peu aux vignerons, on vous le dit. Les gens qui font le vin, là, posez-leur la question, vous saurez. Donc, le vin qu'il a transformé, là, c'était du bon vin. Tu peux boire comme tu veux. Tu ne vas jamais te saouler. Jamais. C'est quand le vin reste fermenté qu'il commence à produire. Il y a de l'alcool qui vient à l'intérieur. C'est tout. Amen. Alors, il est important que nous comprenions certaines choses. Un vrai disciple doit pouvoir faire mourir en lui la passion de la chair, la passion de ce monde. Mourir sur le bûcher de la croix. Quand je donne des enseignements du maître, ces enseignements doivent m'amener moi aussi à mourir. C'est-à-dire, la chair meurt, passion de ce monde, ça meurt. L'ivrognerie, l'impudicité, les passions sexuelles, la convoitise, toutes ces choses, je dois les tuer en moi, de sorte que je deviens plus rapproché du maître, car je suis en train de voir sa vraie nature vivre en moi, la nature du maître vivre en moi. Voilà, c'est important. Et je bénis le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui se joignent à nous, Lisa, et aussi également tous ceux qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je prononce bien le mot. Voilà, Lise. Voilà, Lise. Voilà. Et soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et aussi à toi, Norbert, que Dieu te bénisse également. Voilà, merci de vous joindre à nous pour ce temps. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Je disais ceci que la première des choses, hein, la première des choses, d'abord, il y a ce qu'on appelle le fondement qui est Christ. Et nous avons des étapes. Et la dernière étape que nous devons savoir pour faire un bon disciple là, c'est accepter d'entrer dans le pressoir du Seigneur. Accepter d'entrer dans le pressoir du Seigneur. Dernière étape, accepter d'entrer dans le pressoir du Seigneur. Je reprends. Dernière étape, accepter d'entrer dans le pressoir du Seigneur. Alléluia. Le pressoir du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi un pressoir? Le pressoir sert à retirer le jus
ou la bonne substance d'un produit. Ça peut être des grains, ça peut être un fruit, mais le pressoir retire la bonne substance qui est à l'intérieur. C'est très important. Amen. Voilà, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la plupart des personnes qui refusent de passer par le pressoir n'arriveront jamais à faire ressortir leur homme intérieur, leur homme spirituel. Leur homme spirituel. Le pressoir, c'est l'environnement dans lequel nous acceptons d'accomplir rien que la volonté de Dieu, quel que soit le prix que cela peut nous coûter. Quel que soit le prix que cela peut nous coûter, on est prêt à perdre notre emploi pour l'amour de Jésus. On est prêt à perdre même tout. On est prêt vraiment à entrer dans un pressoir où Dieu nous presse. Parce que on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Le pressoir du vin, bien-aimé, là où le Seigneur veut que nous soyons pressés. Alléluia. Que nous passons par le pressoir. Prenons le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, même le verset 12. Voilà, le verset 12 qui dit « La mort agit en nous pour que la vie agisse en nous. » La mort agit en nous pour que la vie agisse en nous. Ça veut dire que dans le pressoir, tu peux te retrouver dans l'antre de la mort. Mais quand ces événements agissent dans ta vie, ça veut dire que la vie n'est pas loin de toi. Ça veut dire que Dieu a préparé quelque chose de bon pour toi. On continue encore, prendre encore le verset de Matthieu. Matthieu, le chapitre 11, le verset 30. Voilà. Matthieu 11, 30. Voilà. Amen. Voilà. 11, 30. Vous pouvez aussi prendre Exode, chapitre 15. Voilà. Le chapitre 15. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, on peut encore continuer encore sur d'autres versets. J'ai pris tellement de versets. Voilà. Tellement de versets. Mais dans le pressoir, c'est là qu'on verra si vraiment tu es déterminé pour suivre le Seigneur. Dans l'antre du pressoir. C'est là que plusieurs disciples tombent. C'est là que plusieurs disciples abandonnent la main du Seigneur. Regardez même qu'est-ce que la parole nous dit, c'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. C'est important. Matthieu, je crois, le chapitre 11, verset 12. Donc, dans l'antre du pressoir, où on laisse le Seigneur nous donner d'être pressés et d'avancer dans le Seigneur, et d'avancer dans la grâce de Dieu, et d'avancer, d'évoluer, de pousser encore plus, et d'avancer, c'est ce qui est important. Amen. Avançons dans la grâce de Dieu. Avançons dans la grâce de Dieu. Avançons dans la grâce de Dieu, bien-aimé. Et nous sommes à un moment béni. Et je crois dans le nom de Jésus que pour être un bon disciple du Seigneur, il faut que tu traverses ces étapes. Mais n'oublie jamais que le bon fondement, c'est le fondement de Christ. Ton fondement, ce n'est pas le fondement du pasteur. Ce n'est pas le fondement de l'apôtre, ni du prophète, mais le fondement de Christ sur lequel nous devons être assis pour avoir un bon fondement. Un bon fondement. Pour avoir un bon fondement. C'est ce qui est important. Alléluia.
Je dis bien pour avoir un bon fondement. C'est ce qui est pour. C'est ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Voilà. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que fasse de vous de vrais disciples. De vrais disciples de Christ. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus pour la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Et tous ceux qui se sont connectés à ce direct, à ce moment de live. Au Seigneur, bénis la vie de tes enfants et que chacun se connecte pour ta gloire. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Donne-nous d'être des bons disciples. 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 Je prie à partir d'aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus, j'ordonne maintenant que quelles que soient les situations de la vie, quelles que soient les situations du moment, quelles que soient les situations du moment, je détruis les pouvoirs sataniques. Je détruis les puissances démoniaques. Si tu avais un cœur brisé, si ton cœur voulait abandonner dans le processus de la formation, je détruis au nom de Jésus, par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, je renverse les puissances des ténèbres. Je renverse le règne des ténèbres au nom de Jésus. Par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, j'ordonne que ta vie spirituelle reprenne. J'ordonne que ta marche avec le Seigneur reprenne. Que ta marche avec le Seigneur reprenne. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un s'était levé pour agir contre ta vie, pour te faire du mal, je dis, je commande maintenant que cela maintenant soit nul et nul d'effet. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne à partir d'aujourd'hui, par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit, je commande la libération et la délivrance totale au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, ta gloire agit, ta puissance se manifeste. L'onction qui agit, l'onction qui est en train maintenant de te restaurer, l'onction qui te ramène à la maison du Père. À partir d'aujourd'hui, si tu avais connu des moments difficiles dans ta vie, des situations compliquées qui étaient sans issue, j'ordonne qu'il y ait une issue au nom de Jésus. Je commande qu'il y ait une issue. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne qu'il y ait une issue. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, qu'il y ait une issue. À partir d'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Jésus, j'ordonne maintenant, je commande que s'il y avait eu des personnes qui avaient fomenté des projets dans les ténèbres, dans le noir contre ta vie, des projets dans le but de pouvoir anéantir le plan et le projet de Dieu dans ta vie, que cela ne prospère point au nom de Jésus. C'est-à-dire que cela ne prospère point au nom de Jésus. Que cela ne prospère point dans le nom puissant de Jésus. Que cela ne prospère point. Que cela ne prospère point à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Je sens la présence d'un évangéliste qui suit ce direct. D'un homme qui a l'onction
et qui a le désir d'annoncer la parole, l'onction d'un évangéliste qui est en train, qui suit ce direct. Saint-Esprit, tu es le Dieu vivant. Amarédico chanteréboro mandiribé. Hemarantiribo chintayant. Rédigédéroro chanteréboro. La main de Dieu veut agir. Touchez maintenant. Merci Jésus. Touchez maintenant. Saint-Esprit, merci. J'ai dit, je vois la main de Dieu dans la vie d'un homme que Dieu va utiliser dans l'évangélisation des cœurs. Dieu va utiliser le métier, il va utiliser ta formation que tu as eue en communication dans le but de pouvoir toucher les cœurs. De pouvoir toucher les cœurs. Il y a quelqu'un qui a une formation en communication. Et j'entends dans mes oreilles Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Lomé, je sais pas, j'entends Lomé, Togo. Dieu va utiliser cette formation que tu as eue. Et je vois tellement de grandes choses dans ta vie. Tellement de choses que Dieu veut opérer dans ta vie. Des choses extraordinaires que Dieu veut agir. Des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà, sois béni si tu es là, sois béni. Seigneur, je prie maintenant pour cet homme qui s'est signalé. Père, je prie maintenant que tu étends ta main. Mais je vois également un projet de voyage sur ta vie. Un projet de voyage qui est en train de se dessiner sur ta vie. Ben, je ne sais pas où tu es, si tu es encore en Afrique, mais je vois un projet de voyage se dessiner sur ta vie. Oh Jésus. La main de Dieu est en train d'agir. Je vois une femme qui va entrer dans
d'ici 3, 4 mois. Cette année, ce sera une année de percée financière pour toi. La femme, cette femme-là, elle est au Canada. Elle est au Canada. Elle est au Canada. Percée financière dans ta vie. Une percée financière, de grandes finances que Dieu va agir. Oh my God. Dieu est en train d'agir puissamment. Des grandes finances dans ta vie. Des choses extraordinaires que Dieu va opérer dans ta vie. Ah, je dis, je vois une femme qui est au Canada. Canada, Canada, Canada. Attends-toi à des percées financières. Attends-toi à une visitation de l'Esprit. Au nom de Jésus. J'entends dans mes oreilles, c'est fini. Comme si un balai, on prenait un balai pour balayer les déchets, les ordures, et qu'on rendait ta maison propre maintenant. Et qu'on rendait ta maison propre au nom de Jésus. Et qu'on rendait ta main propre au nom de Jésus. Je vois une femme, une personne qui habite une île. Je ne sais pas si c'est l'île Maurice, mais je vois un mariage dans ta vie. Je suis en train de voir un mariage dans ta vie. Je suis en train de voir un mariage dans ta vie. Je suis en train de voir un mariage dans ta vie. Oh, Jésus est bon. Un mariage dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Agis maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes là, mais je sens la grâce de Dieu qui est en train de toucher certaines personnes. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois une femme qui a pleuré la semaine passée. Tu as pleuré énormément, tu as beaucoup pleuré. Mais je vois que Dieu va renverser le plan de tes ennemis maintenant. Au nom de Jésus. Allez, dis amen, femme. Elle est en France. Je ne sais pas ce qui. Mais Dieu renversera le plan de tes ennemis. Tu vas sauter. Je te vois sauter de joie. Je te vois rendre gloire au Seigneur. Je te vois dire alléluia. Je te vois parler. Je te vois dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Si vous êtes là, que la main de Dieu vous fortifie et vous soutienne maintenant. La grâce de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de l'autorité du Saint-Esprit. 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 Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit maintenant agisse. L'onction du Saint-Esprit agit. Quelqu'un, une femme a mal. Une femme a mal à la jambe gauche. Une femme a mal à la jambe gauche. Une femme a mal à la jambe gauche. C'est qui ça? Je vois une femme qui se tord de douleur, qui a des problèmes au niveau de la jambe gauche, côté gauche. La jambe gauche. J'ordonne maintenant que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je commande que tu es guéri au nom de Jésus. J'ordonne que tu es guéri maintenant. Reçois la libération totale dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Allez, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, donc, nous allons... Nous allons prendre congé de vous maintenant. Voilà, prendre congé de vous pour qu'on puisse se retrouver demain matin à 5h15 pour notre moment prière des héros. Demain, c'est à partir de 5h15. 5h15, on se retrouve ici pour notre moment prière des héros. Prière des héros. Donc, retrouvez-nous ici demain très tôt le matin, s'il vous plaît. Demain, c'est 5h15. Oh là 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 là. Allô? Je vous rappelle après. Allô? Je vous rappelle après. Non. Donc, demain, c'est à partir de 5h15. Voilà. 5h15 de Paris. Amen. Donc, on se retrouve demain 5h15. Que Dieu vous bénisse. Voilà. 5h15 de Paris. Donc, ce soir, ça sera 23h15 pour ceux qui sont aux États-Unis et au Canada. Ce sera ce soir 23h15. Que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Je vous souhaite une excellente soirée bénie. Allez, demain pour la prière matinale. Soyez des personnes qui aiment la prière matinale. Donc demain, on se retrouve demain pour la prière matinale. Voilà. Allez, soyez bénis.